Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur ce bon. Nous sommes de retour pour de nouvelles révélations. Ce que nous allons entendre va nous donner des conseils hors du commun. Mes frères et sœurs, ce monde n'est pas celui que vous croyez. Faites très très attention. Ah! S'il le savait, il ne coucherait pas avec une sorcière, une femme qu'il a vue juste comme ça. Et qu'est-ce qui s'est pas réellement passé? Écoutons ça. Un jour, j'étais à Cotonou, un peu dans mes petites balades nocturnes, et je tombe sur l'histoire là. C'est quoi? C'est un vigile. Un vigile, et puis, d'abord, l'histoire là, ça s'est passé en décembre passé, hein. Quand je dis décembre passé, ça fait décembre 2022 là. Je tombe sur le vigile, tout le monde est là, il dit quoi? Ça se passe comment? Toi, tu es vigile au lieu de surveiller porte, surveiller magasin, surveiller maison. Mais c'est au beau milieu de la nuit, il laisse son boulot carrément, va donner au coup. C'est-à-dire, il laisse le boulot carrément et puis il va se chercher avec les filles de joie. Voilà. Et puis un jour, il est parti comme ça, comme d'habitude, il s'en va. Il laisse son poste, il s'en va. Donc, un jour, il est parti comme ça. Et il dit à ses confrères, il vient, il va acheter quelque chose là. À 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, le gars vient pas. Il dit, mais il est parti où même? Ça, on a commencé par le chercher. Les gars qui étaient avec lui là. Parce qu'il ne devait pas informer qu'il est parti sans jaillir. Voilà. Donc, on a commencé par le chercher, on le trouve par terre. Mais que se passe-t-il? C'est comment? Ah, et le gars, il parle, il dit, oh, que c'est la vieille là, que c'est la dame là, que voilà, d'habitude, il vient ici, puis il s'en jaille, et puis il se donne un peu la joie. Et voilà. Aujourd'hui, il a juste donné un coup à la dame là, un coup de rein, je vous dis. Un coup de rein, c'est un moment sexuel, un petit moment sexuel. Et puis le gars ne peut plus se lever, je vous dis, TMG. Il ne peut plus se lever, c'est-à-dire, il explique que juste après avoir joui de son truc là, il est resté intact, paralysé. C'est comme si quelque chose est venu dans son dos, lui retirer toutes ses forces, lui prendre son esprit. Il ne peut plus bouger, il ne peut plus bouger ses jambes, il ne peut plus bouger ses bras. Il est là, intact. Il n'a que sa bouche pour parler, ses yeux pour voir. Il est là. Ça se passe même dans la rue, sur le trottoir, à Cotonou là. Je ne veux pas donner le nom du quartier puisque c'est un lieu très connu. Très connu. Et puis, il est resté là, sans bouger. Et c'est la patrouille de la police qui fait la patrouille la nuit, qui est tombé dans la scène, ils ont ramené ce monsieur. Je vous dis, jusqu'à aujourd'hui, ce monsieur-là, il ne marche pas encore. Jusqu'à aujourd'hui, il ne marche pas encore. Il essaie de tenir les béquilles, mais ça marche pas. Ça marche pas. Il ne marche pas encore. C'est pour dire que quand Dieu fait, vous avez trouvé quelque chose, un travail quelque part. Occupez-vous de ce qui vous regarde. Occupez-vous de votre travail. Toutes les femmes de nous ne sont pas des femmes. Toutes les femmes de nous ne sont pas des personnes, ne sont pas des humains. Des esprits sont en possession d'humains et qui passent. Ah, voilà ma petite histoire du jour. Vraiment, ça peut apprendre, ça peut enseigner quelqu'un, ça peut aider les gens. Vraiment, DMG, merci pour l'écoute. Vous avez entendu ça? Et moi, j'aimerais ajouter quelque chose. J'aimerais vous dire vraiment beaucoup de choses. Mes frères, vraiment, méfiez-vous. Ce monde n'est pas celui que vous croyez.
Il y a tellement de sorcières dehors de nos jours que vous ne pouvez pas comprendre. Il y a beaucoup de sorciers, il y a beaucoup de sorcières, mais pas seulement ces gens-là. Il y a aussi des sirènes. Les sirènes, les Manuwata, les mauvais esprits, les démons qui quittent le monde des ténèbres, le monde des cimetières pour venir dans notre monde. Juste pour perturber la vie des gens. Juste pour compliquer la vie d'autrui. Juste pour détruire les gens. Et tenons bien, ces créatures-là, elles aiment aussi le sexe. Donc, si vous ne connaissez pas l'état d'âme de quelqu'un, vous ne pouvez pas aller coucher avec la personne, surtout le premier jour. Cette affaire de coucher avec une personne le premier jour, là, c'est très, très dangereux. Sortez dedans, là. Sortez dedans. Tant que vous ne savez pas ces choses, et que vous ne savez pas ces choses, c'est que vous vous êtes déjà exposé à tous les plans des gens du monde des ténèbres. Ils vont chercher à vous atteindre par là. Parce que le sexe, si vous ne savez pas, c'est la seule porte qui donne accès au diable directement à votre cœur, à votre vie. Hey. Faites très attention, hein? Méfiez-vous du sexe comme jamais. On vous dit, oh, le plaisir. Mais c'est justement au moment du plaisir, là, que les choses se passent, que vous vous transmettez des choses. Au moment du jouir, là. C'est là où vous vous transmettez même des choses et les mauvais esprits passent pour entrer. Les mauvais esprits rentrent. Et regardez le monsieur. Après avoir bien profité de cette affaire, regardez maintenant, il est couché à terre. Il ne peut plus se lever. Ouais. Ah. Nous poursuivons cette affaire avec un autre témoignage. Un témoignage hors du commun aussi. Écoutons. À l'approche d'un retrait de deuil organisé dans ce village, comme chez nous partout d'ailleurs en Afrique, à la veille d'un événement comme un retrait de deuil, par exemple, dans les villages, les gens font les achats pour que la fête soit belle. Donc, d'autres vont en ville acheter des poulets, des poissons, des trucs de la ville. Après, il y en a qui vont à la chasse au campement. Ils vont camper pour prendre le gibier. Donc voilà, comme ça, à 6 jours du retrait de deuil, parce qu'il faut tout de même signaler que c'est un retrait, c'est une cérémonie qui prend souvent 2, 3 jours par là. Donc comme ça, il y a une équipe qui a été envoyés au campement délégué. On a sélectionné, on a choisi 5 personnes. Dans les 5 personnes qui sont allées au campement pour ramener du gibier un jour avant la fête, se sont approvisionnés, ils sont partis avec des maniocs, des torches, des piles, des fusils, des boîtes d'allumettes, voilà, pour faire leur feu et autres. Donc comme ça, ils sont partis à quelques kilomètres du village. Il y a eu une grande pluie, une grande, très, très grande pluie. Puisqu'ils ne pouvaient plus faire demi-tour, donc ils ont continué. Ils ont continué, 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 continué jusqu'à ce qu'ils soient arrivés au campement. Arrivés au campement, voilà, qu'ils se sont mouillés. Ils se sont mouillés. Il y avait une grosse pluie, ils se sont mouillés, les allumettes mouillées, tout était mouillé. La fraîcheur était au rendez-vous. Donc tout le monde tremblait. Arrivé au campement, tout le monde tremblait, 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 la fraîcheur. Souvent, quand on va en forêt comme ça, au campement comme ça, en chemin, on peut tirer un sanglier, un singe. Ça dépend de la bête qui se présente, on tape, on tire dessus, elle meurt, et puis bon, voilà, on peut manger pour retrouver les forces, éventuellement. Arrivés là-bas, ils ont pu attraper un porc-épic. Ils ont tué un porc-épic en chemin. Ils l'ont amené et puis bon, ils ont commencé à le dépercer et tout, 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 nettoyer. Ils se rendent compte que les allumettes, toutes les boîtes de allumettes qu'ils avaient,
était trempé d'eau. Et il était quelle heure? 3h du matin, en pleine forêt au campement. Il y a eu une grosse pluie. Que faire? La fraîcheur, la faim, mélangée. Donc comme ça, il y a... Puisqu'ils étaient coincés, voilà, ils étaient coincés, il n'y avait plus d'issue, de solution. Il y avait un vieux qui était avec eux, un plus âgé qui était avec eux, qui leur a demandé de se retirer un peu, il s'est retiré tout seul. Boum, du coup, on a vu le feu. Et ils l'ont demandé, mais on n'a pas de bois d'allumette, on n'a plus rien. Comment tu as fait pour avoir ce feu-là? Il dit, j'ai chié le feu. Voilà, parce que souvent, les gens se transforment en panthère, en ceci, en cela. Donc, ça a transformé en une bête qui chie souvent le feu. Donc, il a chié le feu. Et ils ont pris ce feu-là, ils ont réchauffé. Sinon, on va dire, oui, réchauffé toutes les boîtes d'allumettes. Réanimé toutes les boîtes d'allumettes, on va dire ça comme ça. Et les boîtes d'allumettes ont repris forme et tout, et tout, et tout. Ils ont allumé le feu, ils ont préparé, ils ont mangé jusqu'au matin. La journée, mais les autres posent la question de savoir encore, mais tu as fait comment? Il dit, vous avez voulu le feu, je vous ai donné le feu et rien de plus. Je ne vous dirai rien. À part vous dire que j'ai chié le feu, ça s'arrête là. Voilà, c'est la fin de mon histoire. Merci à tous les abonnés d'MG TV. Waouh, vous avez tout dit ça? Dites-moi ce que vous pensez. Bienvenue à l'écoute de le témoignage, une histoire hors du commun. Cette histoire se passe au Congo, à Brazzaville. Pour les personnes qui habitent au Congo, qui connaissent le quartier qui est situé après Massengo, le nom m'échappe un peu. En fait, les cimetières s'appellent Itatolo. Donc les cimetières sont encore en activité. On enterre encore des gens là-bas et tout autour des cimetières, vu que c'est un quartier un peu dans les périphériques, et donc les gens ont occupé des parcelles, il y en a qui ont construit, donc c'est un quartier qui est né tout autour, aux alentours des cimetières. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a des promoteurs qui sont venus à côté construire une banque à côté, justement, qui était à 10 mètres à peu près des cimetières, vu que c'était un quartier déjà habité, il y avait du monde. Et donc, c'était une banque coopérative. Et du coup, donc, il y avait deux vigiles qui gardaient la banque la nuit. D'après la personne qui m'a raconté cette histoire, hein, il y avait deux personnes qui gardaient cette banque la nuit. Ils étaient là, ils faisaient leur ronde. Et ce qui se passe, c'est qu'un soir, les deux vigiles qui gardaient la banque, ils étaient surpris, ils voient deux personnes en train de s'amener entre 2h et 3h du matin. Ils s'approchaient vers eux, ils étaient habillés en blanc, on va dire une soutane blanche avec le ruban sur la tête, avec des gants blanches, et le visage même était... de loin, ça paraissait pratiquement un peu du genre leur peau de blanche ou encore, voilà, ce genre de choses. Et donc, ces personnes s'approchaient avec une manière de marcher assez inhabituelle, en fait. Ils étaient penchés du genre de cadavres qui sont sortis, en fait, des tombeaux, en fait. Et les deux vigiles stupéfaits, ils se sont regardés, ils regardaient les deux qui venaient, et il y a un qui dit à l'autre, « Ah, mon cher, là-bas en bas, il fait trop chaud, là on profite pour prendre un peu de l'air. » Et quand les deux, en fait, ils ont entendu ça, ils ont pris la fuite. Ils ont fui, laissé la banque, ils sont partis. En fait, en partant, quand ils sont partis demander de l'aide, en fait. Et les deux gars, en fait, c'était des bandits, des voleurs, mais maquillés en revenant. Donc les gars, ils sont partis, ils avaient tout ce qu'il fallait, des matériaux, ils ont cassé la porte, rentré dans la banque, ils ont pris l'argent. Et les deux vigiles, quand ils sont partis chercher de l'aide, en revenant, avec du monde, ils ont raconté l'histoire aux gens, toqués, criés, ils sont venus avec du monde, ils sont venus voir
Les portes de la banque étaient ouvertes et on a dépouillé la banque et tout l'argent parti. Donc voilà un peu la fin de l'histoire. L'histoire s'est terminée comme ça. En fait, c'était une affaire d'escroquerie, mais maquillée justement en quelque chose de mystique. Voilà. Merci. Waouh, vous avez entendu ça? Bien, nous allons écouter encore nos témoignages. Let's go. Je tiens à vous raconter l'histoire mystique des impacts familiales de vol. Cette histoire se déroule dans la région du Sud Cameroun, dans la ville de Saint-Minima. C'est l'histoire d'une mère et son fils unique qui avaient fait un pacte où son fils allait voler pour faire prospérer les familles sans jamais se faire prendre par la police. De telle sorte que quand il va faire un coup de vol, dans le cas où il est surpris, s'il réussit à vous échapper et entrer dans son domicile, il disparaissait mystérieusement. De telle sorte que quand vous venez, vous fuyez tous les compartiments de la maison, même si vous avez encerclé la maison, de peur qu'il saute par les fenêtres, vous ne le retrouvez plus jamais. De même aussi, des fois, vous pouvez même mettre la main sur lui, on l'amène même au commissariat, on le met même en cellule. Mais une fois que sa maman allait pour lui rendre visite, en apportant son repas, donc à manger et à boire, dès que celui-ci finissait de le prendre, il buvait de l'eau qu'elle apportait, ce monsieur disparaissait toujours mystérieusement. De telle sorte que les policiers qui étaient chargés de le garder se demandaient comment à chaque fois ce monsieur, ce jeune homme-là, faisait pour s'évader. Un jour, Dieu voulant, ce jeune homme est allé commettre un coup de vol. Il a de même été pris. On l'a conduit dans le commissariat, ne se dérangeant pas, sachant qu'il y aura toujours la scène de sa disparition. Il est entré en cellule et quelques heures après, voilà sa maman qui s'amène avec le repas et l'eau à boire en question. Et dès qu'elle est entrée pour demander à voir son fils afin de lui donner sa nourriture, il y avait un chef de policier qui était nouvellement affecté et ma foi n'était pas du tout simple. Il a donc dit, il a révélé que le repas que la maman a apporté pour donner à son fils n'était pas du tout un repas normal, dont le repas n'était pas simple. Il fallait que les policiers qui se trouvaient là mettent la maman aux arrêts pour qu'elle le dise pourquoi elle apportait un repas compliqué à donner à son fils. C'est ainsi que tous les policiers qui s'y trouvaient étaient étonnés, mais ils ont tout de même exécuté, ils ont pris la maman et ils l'ont amené en salle d'interrogatoire. C'est ainsi de même, il a demandé à faire conduire son fils où se trouvait sa maman, afin qu'il les interroge. Une fois arrivé, tous les trois réunis, il a dit, de vous à moi, on sait que ce repas n'est pas simple. La seule chose que vous avez à faire ici, c'est de donner votre déposition et peut-être la maman peut être acquittée par avoir les circonstances atteignantes. Parce que si vous ne le faites pas, je vais démontrer ce que je suis en train de dire et tant pis pour vous, ça sera autre chose pour votre condamnation. Alors que le fils a regardé sa maman, ils sont concertés et il dit que quand je regarde ce policier, il m'a l'air de quelqu'un qui a des visions et puis même le pacte qu'on a fait devait avoir une fin, ce n'était pas éternel, mais je vois que c'est donc arrivé à la fin aujourd'hui. C'est mieux qu'on crache le morceau et si on peut t'acquitter, qu'on t'acquitte. Moi, je ne trouve pas ça normal que toi et moi allons faire de la prison. C'est mieux que toi, on te laisse et moi, je purge finalement ma peine, vu que j'ai déjà tellement échappé aux mains de la justice. C'est ainsi que la maman a donc craqué. Elle a donc décidé de confesser en disant qu'effectivement, ils ont fait un pacte de vol familial où son fils unique allait voler sans jamais toutefois se faire prendre, de telle sorte que quand il est pris,
dans le cas où il est surpris et s'il réussit à vous échapper et arriver à la maison et qu'il boive de l'eau, parce que c'est l'eau qu'elle dit avoir fétiché et avoir pacté dessus, une fois qu'il boit de cette eau-là, il disparaissait tout simplement. De même que quand on la voyait des fois lui apporter à manger, c'était pour qu'il soit en contact avec cette eau. Donc dès qu'il faisait manger, il buvait de cette eau, il disparaissait mystérieusement aussi comme ça. À l'étonnement de ceux qui le regardaient, qui se demandaient toujours à chaque fois comment il faisait pour s'échapper en question. Tout le monde qui était là était étonné. Donc elle a donc fait comprendre que cette eau-là, c'était une eau pactée, ou c'était l'eau des cadavres, ou c'était quelle eau. En réalité, c'est Dieu seul qui connaît, qu'elle avait fétiché dessus. Donc, pour permettre à son fils de réussir toujours à échapper aux mains de la justice et des autorités en question. C'était donc l'histoire que je tenais à partager avec la... Waouh, vous avez entendu ça? Hey, c'est grave. Mais donc, on le témoigne, c'est parti. Aujourd'hui, je reviens encore avec une histoire mystique de ma famille. Donc, ça s'est déroulé dans ma famille dans des années 2014. Oui, 2014, oui, je me rappelle bien. 2014. Donc, c'était une grande cousine. C'était une grande cousine. Donc, elle vivait en Djoumbé. Oui, c'était en Djoumbé. Et elle faisait dans la plantation des macabos. Elle faisait dans la plantation des macabos. À un moment donné, vous savez aussi que toutes ces histoires de prospérité, chacun veut prospérer. Donc, elle a voulu prospérer avec ce business de macabos. Donc, elle a intégré des réunions des femmes cultivateurs. C'est un peu ça, des femmes cultivateurs. Et chaque année, elle produisait vraiment des sacs, des tonnes de macabre. Elle produisait vraiment, vraiment, vraiment. Donc, maintenant, à un moment donné, la réunion... Il siégeait toujours, elle évoluait bien, elle siégeait, et quand la réunion a rodé jusqu'à son tour, on lui dit, bon, ok, c'est maintenant ton tour de recevoir la réunion, et c'est ton tour de recevoir la réunion, donc tu dois donner quelque chose en sacrifice, comme nous le savions tous. Et, excusez-moi, vraiment, je suis rhumé. Je suis vraiment en rhume. Donc, c'était son tour de bouffer, de recevoir la réunion. On lui dit, bon, il faut quelqu'un aussi en sacrifice. Comme pas malheureusement, il écrit le nom du frère, ça ne passe pas. Il écrit le nom de la sœur, ça ne passe pas. Il écrit le nom de la mère, ça ne passe pas. Tout le monde était bloqué déjà, comme nos traditions. Tout le monde était bloqué et subitement elle tombe malade. Étant Djoumbé, elle est malade, elle fait les hôpitaux fatiguée, des mois, on dit on ne voit rien. Au fur et à mesure, elle ne faisait que faner, jusqu'à lui renvoyer au village, dans son village. Chez nous, elle est arrivée. Elle était là, on se battait par-ci par-là, ça ne changeait pas. Pour qu'elle aille même aux toilettes, il faut que deux personnes la tiennent pour pouvoir marcher, pour qu'elle puisse un peu marcher, pour aller se mettre à l'aise, ou bien pour aller qu'on puisse le laver. Voilà, subitement, un jour, celle qui ne marchait jamais, qui ne se levait pas du lit, c'était difficile. Il y avait que toujours, je me rappelle, cette petite chaise au chevet du lit. Elle s'est levée ce jour, elle a pris, il y avait que deux personnes, la mère, sa mère et l'une des personnes qui est venue leur rendre visite. Ils étaient assis dehors, en train de frapper le commentaire. Subitement, elle se lève du lit, elle porte cette petite chaise, elle sort, elle marche
Elle vient s'asseoir à côté de ces deux personnes, de sa maman et celle qui est venue lui rendre visite. Tout le monde est étonné de le regarder marcher. Après quelques minutes, elle se relève encore, reprend la chaise. Elle entre et se couche. C'est comme ça qu'elle décède. Quand elle décède, on organise le funérailles tout autour après avoir enterré. Après avoir fini avec les funérailles, c'est où elle commence à menacer la famille. Chaque jour par-ci, chaque jour par-là, elle vient chaque fois dans les rêves menacer tout le monde. Je vais partir avec toi, il faut me suivre, il faut me suivre, monter, descendre, il faut me suivre. C'est comme ça qu'elle a pris le temps à menacer les gens. À ce qu'on a appelé encore, c'était dans la tradition, les tradis patriciens. Tradis patriciens, ils sont venus à la maison. Et là, on a encore déterré le corps de MG, je te dis. Fente, elle était encore fraîche. Quand on a fendu le corps qui a fait plus de... C'était 2 mois exactement, 2 mois au sol. Le corps était encore fraîche. On a fendu le corps, c'est où on a enlevé le cœur. Le cœur jaillissait encore de sang. Bien même de sang. C'est où on fend le cœur, tu sais. Ces gens, ils ont regardé, ils ont dit non, elle avait écrit toute une liste des noms qu'elle devrait... Donc elle devait d'abord sacrifier ces gens avant de partir pour de bon. C'est pour ça qu'elle venait dans les rêves, par-ci par-là, essayer de dire et de ramener ces gens. Parce qu'elle a vraiment traumatisé les gens. Elle avait vraiment traumatisé les gens. Et c'est quand on a fini de faire ces cérémonies que la famille a pu trouver la paix. Mais cette histoire ne s'est plus répétée. Incroyable, vrai. Ok, écoute encore un autre témoignage. Bon, je suis Camerounais d'origine, plus précisément du côté de l'Ouest. Et j'écoute cette émission depuis quelques mois et je suis vraiment scotché. Force à ce que tu fais, DMG. Merci de cette grande initiative que tu as mis sur pied pour nous sensibiliser, pour sensibiliser la communauté et le monde entier sur les réalités de la vie. Oui, je vais vous raconter cette petite histoire. Donc, j'ai vécu au Cameroun avant de quitter mon pays d'origine. Plus précisément, mon histoire s'est déroulée en 2016. Cette année, donc je peux dire, j'ai vraiment vu quelque chose que je ne sais pas l'expliquer et que Dieu a été toujours à ma faveur. Oui, en 2016, parce que je vivais dans une ville où je faisais mes études, à Tchank. Et en 2016, j'ai eu un petit travail du côté de Yaoundé. Et là, j'ai déménagé, arrivé une fois. Et j'ai décidé de m'installer à Yaoundé. J'ai fini mon travail. Le mois où j'ai fini mon travail, directement, il y avait certains gens qui venaient d'aménager dans ce quartier. Ils avaient leur petite maison. Donc, je me suis directement mis en contact avec un jeune qui m'était passé autour de 2 ans. Bon. Donc, je vais prendre... un exemple comme le nom de Paul. J'étais vraiment bien avec Paul. Tout marchait bien, 1 mois, 2 mois, on était ensemble. Quand j'ai fini mon travail, j'ai dit bon, que d'aller louer encore loin. Je préfère louer dans ce nouveau quartier qui est en voie de développement. Bon, et là j'ai trouvé une petite chambre chez une maman. J'ai aménagé si vite que possible. Chaque jour, je rendais aussi visite à Paul. Paul me rendait visite. On marchait, on sympathisait. Il vient à la maison aussi, j'ai préparé, on mange. J'arrivais chez eux, on mange, on marchait bien, on s'expliquait tout. C'est vraiment que Paul était le genre d'homme qui manquait beaucoup, puisqu'il avait un frère qui se ressemblait beaucoup, mais ce frère-là était dans l'armée. Et lui, il nous a fait comprendre que c'est lui qui était dans l'armée, mais on ne savait pas qu'il avait un frère.
puisqu'il montrait les photos, c'était sa gabarit, tout lui en effet. Bon, vu on n'était pas seul parce que j'avais des amis dans ce quartier, on était ensemble, on riait, on faisait tout ensemble, on montait, on s'assied même au bar, on buvait une bière. Et aussi, comme j'ai directement eu mon établissement dans le génie civil, je suivais ma formation d'entrepreneuriat dans le génie civil. Un jour, j'ai toujours eu le travail à côté des chez eux, pas loin de leur maison. J'y travaillais un jour, un soir, quand j'ai fini mon travail, j'ai décidé de passer leur rendre visite. J'arrive à la maison quand sa maman n'était pas là, elle était la seule. Ce jour, on a bavardé jusqu'à l'heure de jusqu'au moment dont le moment venu d'où on voulait se séparer, il m'a donné du tapioca. Ouais, j'ai pris du tapioca et je suis arrivé chez moi parce que ce n'était pas loin de ma maison, on était au quartier. Quand j'ai pris du tapioca, je suis rentré, j'ai déposé le tapioca, j'ai travaillé toute la semaine. Et la semaine qui suivait, c'était la semaine des évaluations dans mon établissement. Bon. Un jour, je rentre, je pars au chantier, toujours à côté de chez eux, je rentre ce jour. J'avais évaluation le lendemain, à 11h, au cours de 11h. J'avais les cours à 11h qui devaient se baser sur l'évaluation. En effet, je rentre, je pars au chantier, je rentre ce jour. Je m'en vais acheter du riz et tout ce qu'il faut faire avec, comme un célibataire, pour faire son petit riz sauter un jar, comme on dit souvent, un jar. Ah oui. Voilà, quand j'arrive à la maison, je programme, je dis bon, comme il y a du tapioca, il est 18h, avec du travail que j'ai effectué au chantier, je préfère boire ce tapioca et de laisser du riz à 3h. Quand je me réveille pour étudier, je pourrais apprêter du riz, je mets au feu, je sais quand même c'est comment, à 5h, parce que j'avais aussi un programme qui peut sortir à 5h, 6h, aller au petit chantier comme ce n'était pas loin. Je fais d'abord un petit truc jusqu'à 9h, jusqu'à 10h. 9h, 10h, je reviens, je m'apprête pour l'école. J'ai dit oui. Voilà, quand j'ai fini directement de boire le tapioca, là, quand j'ai fini de boire, je teste les dernières cuillères de tapioca à mettre dans la bouche, qui entre, c'est Paul. Il frappe à la porte et il a... Il me dit, oh frère, j'ai vraiment faim. J'ai dit, oh putain, regarde, ça c'est du tapioca dont tu m'avais offert, c'est ça que je viens de finir maintenant. C'était aux environs de 18h30 comme ça. Mais quand cela ne tient, j'ai pris un kilo de riz chez tel boutiquier, on connaît parce que je vais taire le nom, c'était un quartier à Yaoundé. Donc je vais taire le nom du quartier, mais s'il y a les gens qui écoutent cette histoire, ils vont connaître parce que ça a vraiment fait bouger le quartier. Donc j'ai taire le nom. J'ai dit, j'ai pris le riz chez telle femme, j'étais dans telle boutique, avec tout ça, je me disais que bon, je vais me réveiller à 3h et le faire cuire, mais si tu as faim, car cela ne tient, je vais le faire cuire pour que tu puisses aussi manger, il ne faut pas dormir à la famille. Et il me dit, non, ma maman est partie, elle n'est pas là maintenant, parce que sa maman était, je vais le dire, parce que bon, je ne sais plus où ils sont aujourd'hui, sa maman était, comment on dit, gérante de 3 stations-service. Donc je préfère, moi je n'étais pas le nom MRS parce que MRS est plein, il y a plein de fans, MRS Cameroun. Ben, ah voilà. Le garçon, je tiens à préciser que le garçon, lui, il ne faisait rien de sa journée. Rien du tout. Ça nous étonnait, un garçon de 27 ans, de 28 ans. Oui, de 28 ans, il ne fait rien de cette journée. Rien du tout. C'est sa mère qui le fait à manger, qui charge le frigo, qui rentre avec du poisson brisé, le donner. Et c'est un grand fumeur. Et c'est sa mère qui l'achète en plus des paquets de cigarettes. Bon. Ah, comme nous aussi, nous les enfants des pauvres, on dit, ah, on ne sait vraiment pas d'où on vient, mais on se bat dur pour atteindre le niveau. Parce que moi, sans mentir, je ne me tape pas la poitrine. Je suis un garçon battant, que ce soit Yaoundé. Je fais précisément dans la restauration, dans la gastronomie. Hormis la gastronomie, je le fais aussi les chantiers. Je fais vraiment dans les chantiers. Tout ce que je touche, en effet, je le fais et bien. Ça, c'est ce qui fait ma force. Oui, voilà, c'était juste une parenthèse. On revient à l'histoire. Voilà, quand il m'a dit il a faim, directement, je me suis mis à faire le riz, à prêter tout. J'ai cuisiné le riz. Et voilà, quand j'ai fini de cuisiner le riz, il me dit...
Je n'avais pas eu l'ouche parce qu'elle venait d'aménager. J'avais des petites cuillerettes. Quand je prends l'assiette pour le servir, je puise une, deux, trois, quatre, cinq cuillerettes. Elle me dit non, ça va, ça va, ça va, ça va comme ça. Je dis mais ce n'est que cinq petites cuillerettes. Il me dit non, ça va me rassasier, ça suffit. Je dis ah, ok. Je le tends l'assiette. Moi-même, je prends une assiette de cuillère. Bon, il ne peut pas servir quelqu'un, laisser ses enfants aussi goûter. Je prends aussi un peu, je retire aussi juste un peu. Voilà, je mange. Lui et moi, on mange en frappant des commentaires, voilà, 19h, 30, 20h. Il me dit, bon, comme tu vois, j'ai envie d'aller acheter la cigarette. DMG, je t'ai dit. J'ai dit, ah, ok. Moi, je vais rester là. Fais quoi, je t'accompagne alors. Et tu achètes ta cigarette et tout. Je dis, oui, il n'y a pas de problème. Voilà, je sors de ma chambre. Je ferme ma porte à clé. À clé, deux tours de clé. Lui et moi, nous, on sort de la maison. Voilà, on s'avance, on s'avance, on s'avance. On chemine ensemble parce qu'au niveau, on trouve pas très bon de la maison. On trouve les cas du quartier aussi. Exactement, quand on pense un peu à frapper certains commentaires, il me dit, oh, d'accord, comme tu es avec les pierres, tout ça, je vais courir d'abord acheter la cigarette juste ici à la boutique. Je reviens très rapidement. J'ai dit oui, il est aux enfants de 20h30 comme ça. 20h30, presque 21h. J'ai dit d'accord, il n'y a pas de problème, je t'attends là, tu reviens. Il part, il revient, me dit non, la boutique est fermée. Attends, je redescends un peu ici en bas chez elle, chez celle dont j'avais acheté le lit. Je vais acheter la cigarette. J'ai dit d'accord, il n'y a pas de problème, je suis là, je t'attends. DMG, il part, il revient, il me dit la boutique est fermée. J'ai dit oh, waouh. Alors, ça veut dire que c'est pas ton jour de chance, tu ne dois pas fumer aujourd'hui. Il dit, ah, j'ai dit, d'accord. On peut rentrer à la maison, frapper encore nos commentaires un peu. Il m'a dit, d'accord, il n'y a pas de problème. DMG, si je ne retournais pas avec lui, ou bien il montait, je ne sais pas, on doit dire, je m'en. Voilà que j'arrive, j'ai avec une table à quatre pattes, bien confectionnée sur laquelle je préparais. J'avais un réchaud au pétrole, parce que je venais d'aménager, je n'avais même pas encore 6 mois à Yaoundé. Un choix pétrole, un matelas, un grand matelas, un matelas au sol, que j'avais lancé au sol. Dès que j'ouvre la porte DMG, je vous jure, j'ai trouvé cette table renversée au sol avec la marmite du riz que j'ai eu à faire, le pétrole partout sur la nourriture. Le pétrole partout sur la nourriture. Voilà, je me mets à ramasser, à balayer tout parce que ça avait comme le pétrole coulé, entré sur le drap du matelas, tout ça. Je me mets ici à la chambre cette nuit, j'ai su. Voilà que j'ai su au fur et à mesure que j'ai su, je sors dehors verser la nourriture parce que c'était déjà le pétrole, tout ça était. Je suis allé verser tout. DMG, je verse quand je reviens pour essuyer le dernier tour. J'ai su ce comment d'entrer. Exactement, j'ai voulu entrer dans ma chambre. Il me dit, mon frère, comme il a plu la route de ma maison, il y a trop de boue cette nuit. Ce moment-ci, tu vois, tu connais comment est cette entrée, je ne peux pas vraiment rentrer. Est-ce qu'on pourrait dormir ensemble? DMG, comme parle soin du sixième sens, le sixième sens m'a dit, si tu dors, une voix, j'ai entendu une voix vraiment en moi, que cette voix m'a dit, si tu dors avec lui et que la nuit, il te tue, que dirais-tu? Et moi, je sens vous mentir. Et je suis quelqu'un, au moment, c'est maintenant c'est que j'ai pris la ferme résurrection, quand je suis vraiment Dieu, à tout moment, ma vie est connectée, que je suis vraiment connecté à tout moment avec Dieu, en parole et pas les actes. Mais sans mentir, je ne pensais jamais du mal à quelqu'un, même jusqu'aujourd'hui, je n'ai jamais pensé du mal à quelqu'un ou bien à n'importe quoi. Quand je vois que tu souffres et que je peux t'aider, je t'aide. Et voilà que, dès qu'il me dit comme ça, cette voix m'a parlé en moi. Si tu dors avec lui et que la nuit te tue, que dirais-tu? Je dis, ah, seule chose qui est revenue dans mon cœur, j'ai encore dit dans mon cœur que Dieu avait dit, n'ai jamais refusé à quelqu'un où il pourrait poser la tête et retrouver le jour, le lendemain. J'ai dit qu'il n'y a pas de problème, frère, dormant. Quand je dis, je prends maintenant un drap blanc, je mets sur le lit, je redresse le lit, bien. Je dis, couche-toi. Il se couche derrière. Donc, quand je faisais le nettoyage, ce qui partait à la boutique chercher 10 ans cigarettes, c'était la lame de rasoir. Mais il n'avait pas vu, la boutique était fermée. Au moment quand je nettoyais le sol, il a pris ma lame de rasoir sur la table. Quand il prend la lame de rasoir, je ne savais pas, je n'ai jamais dormi de ma vie comme j'ai dormi ce jour. Le programme même de 3 heures d'étudier, pour étudier, je n'ai pas pu. J'ai dormi, DMG.
Le jour-là, dormi jusqu'à je suis saute à 5h30. Quand je suis saute même, je ne ressens rien. Je dis, bon, ok, frère, il est 5h30, je vais pas courir, je vais petit précoce que je dois faire pour chantier rapidement avant d'aller à l'école. Il me dit, donc tu peux, je lui dis, tu peux te reposer, Paul, tu te reposes bien quand tu finis ton repos. Quand tu te réveilles à l'heure, quand tu veux, tu peux fermer la porte comme je suis juste à côté de ta maison, tu me donnes mes clés. Il me dit, non, ça va, je m'en vais aussi faire le sport. Il est à 5h30, il peut courir avant de revenir, il dit qu'il n'y a pas de problème. Il est sorti, nous sommes sortis ensemble, j'ai fermé la porte. Je n'ai rien ressenti en ce moment. Je suis allé au chantier, je reviens. C'est quand je reviens, DMG, que je pars pour me laver, pour prendre ma douche. Je m'en vais sur l'eau. Je comprends une partie de ma fesse se met à chauffer. Je dis, merde. Je me suis pas assise au chantier. Je regarde l'habit que je portais. Je ne vois pas que c'est déchiré. Je ne me suis pas déchiré quelque part. Mais je vais sur l'eau, je vois mes fesses chauffent. C'est quand je regarde la fesse, je vois un trait qui était bien fendu, DMG, bien fendu. DMG, j'ai dit, j'ai regardé une fesse, ma fesse était bien fendue. Aïe. Voilà, j'ai fini de me laver, je sors de la douche, j'entre dans la chambre, je prends tout, je mets mes cahiers dans le sac, je m'habille, je dis, ah, il faut que je dresse mon lit. C'est où je prends le thé d'oreiller, je vois la lame posée, je vois le sang sur le drap. Je vois comme ça, je soulève le matin, vraiment comme il essuie les doigts. Mais je vous jure que l'école, ce jour, mais une fois sorti dans la tête, les cours, les évaluations, une fois quitté, je quitte directement, je descends chez lui. Mais frère, on a passé une nuit ensemble, voici, viens voir ce qui s'est passé. Je me trouve blessé, monté, descend. Le mot qu'il a sorti dans sa bouche, il a dit, vous, les gens de l'Ouest avec la sorcellerie, là, ne m'approche pas ça à notre famille, ne nous approche pas, ne nous amène pas ça dans notre vie, n'essaye même pas. De haïa. Comment est-ce que j'ai parlé, qui a parlé de la sorcellerie ici, qui a parlé, je te dis seulement c'est qui j'ai trouvé chez moi. Voilà, je quitte, je pars chez une de mes tantes et je l'explique le problème, je n'ai même pas touché le lit le même jour. Ma tante quitte aussi un quartier de Yaoundé, appelé quoi Oh, je ne sais même plus trop. Elle vient, elle filme le drive et tout. Elle descend chez sa belle-mère. On explique le problème à sa belle-mère. Sa belle-mère dit, retournez d'abord voir la femme, la mère du gars. On a exigé les examens. Je suis directement allé faire les examens rapidement. Tout. Je suis allé voir la mère du gars. J'ai pu l'expliquer. La mère du gars a directement commencé. Vous, avec vos sorcelleries, là, peut-être tu as goûté le sang de mon fils sans me pardonner. C'était la mère. Tu ne peux pas. On t'a déjà demandé quand même qui a parlé du sang ici. Tout ce qu'il te demande, c'est de faire les examens de ton fils. Tu me donnes. On essaye de voir. Parce qu'on se basait plus que peut-être c'est peut-être une maladie ou n'importe quoi. Voilà, elle a commencé comme ça, je retourne, j'explique à la mère, sa mère a dit. Et puis elle me dit, plutôt le même jour, sa mère de Paul me dit, attends dans 7 jours. C'est dans 7 jours que je vais envoyer Paul au centre pasteur pour qu'il fasse ses examens, parce que c'est au moins d'abord au centre pasteur qu'on fait les meilleures choses, qu'on peut dire un résultat propre et que c'est propre. J'ai dit, ok. Quand je retourne, je dis ça à ma tante, là, elle retourne voir sa belle-mère. Sa belle-mère dit non, il y a quelque chose, si elle existe déjà 7 jours, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. Va à Fumban trouver la mère, ta mère. Peut-être on pourrait trouver une solution. Je vous dis, DMG, dès que je prends la voiture, le transport, le bus arrivé dans sa station, s'arrêter pour casser. Elle qui s'est levée, je ne sais même pas, elle venait carburer. Par contre, elle est assise, il y a les gens. Je me suis courbé dans la voiture. On a fait peut-être 20-25 minutes sur place carburer. Après, on a décollé. Une fois que j'arrive à Fumban, je descends du taxi. Je suis arrivé à 6 heures dans mon village. Un monsieur m'a dit de me regarder quand je marchais. Il m'a seulement dit, en bas monté, il fallait attendre 7 jours. Tu es venu en quoi? Dans la voiture, j'ai dit, il dit que tu devais venir au-dessus de la voiture. Je vous jure, DMG. Quand je regardais le monsieur là comme ça, je n'ai même plus bougé, j'ai même plus cherché la route de la maison. J'ai d'abord exactement appelé ma mère étant sur place. Ma viens voir, j'ai écouté. DMG, comme on dit toujours, nos traditions, c'est vrai, je suis croyant, je crois vraiment, mais
Parfois, il y a les anges, surtout les traités aussi. Il y a ceux qui, je sais pas, les féticheurs, les marabouts, n'importe quoi qu'on appelle. Il y a ceux qui sont venus pour vous sauver, vraiment qui font le travail propre. Ce monsieur, il peut dire c'était un ange qui était envoyé par Dieu. Quand il m'a dit comme ça, j'appelle la mère, je lui ai pardon, monsieur, prenez place. Parce que le matin, il me dit non, pas, il est non, prenez place. Ici, quelque part, je vous en supplie. Il me dit que ma maison est quelque part ici, viens. J'appelle la mère, viens, je l'amène, elle dit qu'écoutez ce que le monsieur s'est dit. Ma mère est venue avec l'une de mes grandes soeurs. Le monsieur a répété qu'il fallait qu'il attende 7 jours. Il essaie. C'est la mère de Paul m'avait dit attends 7 jours, c'est après 7 jours qu'on doit voir comment faire les examens de mon fils. Monsieur DMG, je te jure que on a cherché ce qu'on appelle le haricot sauvage. Il a fait ses trucs, des trucs. Il m'a donné de me laver avec. Et lui-même, il m'a frotté tout le corps avec le haricot sauvage. Tu connais comment le truc la chauffe, comment ça te touche au champ, ça fait, ça gratte. J'étais là sec comme quoi. Il m'a dit ça te gratte, j'ai dit oui. Il me dit pourquoi tu ne t'agites pas, j'ai dit non, c'est le remède. Il a travaillé comme ça, DMG. Voilà, 2 jours après, je retourne, le même jour que j'arrive à Yaoundé. Le soir, je passais, je sortais de mon chantier, je rentrais de mon chantier, je croise cette femme, la mère de mon ami Paul, face à face. Elle venait comme ça, face à moi, j'allais face à elle. Elle m'a laissé la grande route, elle est entrée marcher dans la rigole. Dans la rigole, je précise encore bien, dans la rigole. Elle est passée à la maison, elle a fait fuir son fils du quartier. Son fils a fait presque 4 mois avant d'apparaître encore au quartier. L'histoire a chauffé au quartier. Et finalement, j'ai appris qu'ils ont vendu la maison, ils ont quitté le quartier. Vous voyez donc, c'est que je vais, parce qu'aujourd'hui j'ai décidé plus d'amis, quand souvent on dit bonjour, bonsoir, c'est tout. Si je peux te porter conseil, je te porte conseil. Si tu peux porter conseil, dès que tu portes conseil, je juge si c'est bon, je m'en pratique. Si c'est pas bon, je passe. Mais dis, les amis de la maison, on marche, on monte, on boit, on descend. Non, je ne suis plus là. Et je tiens aussi à dire à mes frères que bon, ce n'est pas vraiment tout le monde. Que vous riez forcément, que vous êtes, que tu dis mon ami, que vous avez le même cœur. Le cœur que tu as n'est pas le même cœur que lui, il a envers toi. Mais range-toi toujours à faire du bien. Range-toi toujours à faire ce qui est serviable. Peu importe ce qu'il fait, ne le remets pas par le mal. Évite dans ta vie de conseiller quelqu'un ce que tu sais que toi-même tu ne pourrais pas faire. Parce que j'ai opté cela depuis tant tout petit. Depuis tant que petit, j'ai opté cela. Quand je ne peux pas faire que je te dis, je ne peux pas. Quand tu m'expliques que je te dis que je ne peux pas t'aider là-bas, que je ne peux pas. Et quand je peux, je le dis. Donc, évitez vraiment, c'est pas avec tous ceux qu'on rit, qu'on fait tout, qu'on est fort, qu'il est forcément le meilleur, qu'il a forcément les mêmes intentions que nous. Mais ouais, t'as dit ça? Ha! Faites très attention à la vie. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce monde-là. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin, écrivez en commentaire. C'est fait. Que Dieu bénisse.